Chapitre 7, verset 2. Gyanam teham cha vigyanam hidam lakshmi yasheshato yadvaneha bhujo nijat gyanadvam. Je dois te révéler pleinement cette connaissance ainsi que le processus pour la réaliser. Quand tu sauras cela, il ne te restera plus rien à connaître en ce monde. Commentaire. Selon Srila Vishvanatha Chakravarti, dans ce verset, le Seigneur traite du développement de l'amour de Dieu. Il se développe en 9 phases. Shraddha, la foi, Sadhu Sangha, l'association avec les saints, Bhajana Kriya, le fait de prendre refuge dans un maître spirituel authentique et d'accomplir l'adoration du Seigneur sous sa direction, Anartha Nivritti, la purification des choses indésirables, Nishtha, la fixité dans le service de dévotion, Ruchi, le développement du goût pour la vie spirituelle, Ashakti, l'attachement au Seigneur, Bhav, les prémices de l'amour de Dieu, Prem, l'atteinte de l'amour de Dieu. Jusqu'à ce qu'une personne atteigne Ashakti, l'attachement à la personnalité de Krishna, la connaissance qui est réalisée dans le stade inférieur est en relation avec sa puissance et son opulence. Il n'y a donc pas d'identité révélée. Les sentiments qui sont connus vis-à-vis du Seigneur sont la crainte et la vénération. Cette connaissance de Dieu est appelée dans ce verset Gyan. Plus tard, lorsqu'un dévot atteint le stade Ashakti, il peut réaliser la douceur de Krishna, qui est supérieure à ses aspects d'opulence et de puissance. Cette connaissance supérieure est alors désignée dans ce verset par le nom de Vigyan. Lorsqu'une personne comprend ce développement de l'amour de Dieu, sa connaissance englobe toute chose, que ce soit l'aspect impersonnel de Dieu, Brahman ou Paramatma, l'âme suprême présente dans le cœur. Puisque Krishna est l'origine de tous ces autres aspects, celui qui connaît Krishna connaît donc toute chose. Lorsqu'une personne comprend ce développement de l'amour de Dieu, sa connaissance englobe toute chose, que ce soit l'aspect impersonnel de Dieu, Brahman ou Paramatma, l'âme suprême présente dans le cœur. Puisque Krishna est l'origine de tous ces autres aspects, celui qui connaît Krishna connaît donc toute chose. Janam Chakshumitam Yena Tasme Shigurave Namo Vishnu Padaya Chaitanya Prestalupine Shishimad Bhakti Chandanaya Yati Goswami Namine Namo Vishnu Padaya Goranga Prestalupine Shishimad Bhakti Vivdaya Vibhuranati Namine Namo Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shishimad Bhakti Vedanta Narayanitinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutane Shimati Bhakti Pragana Keshavati Namine Namo Vishnu Padaya Gora Prestaya Bhutane Shimati Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutane Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutane Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakarpatarubhyacha, Kripa Sindhubhyaivacha, Patitanam Pavanebhyo. Vaishnavebhyo namo namaha. Une personne qui atteint donc à Shakti l'attachement à la personnalité de Krishna,
est une personne qui a un attachement pur pour Krishna et qui est comme un signe. Et quand on voit un signe, on a envie de le suivre, tout comme il y a une histoire qui est racontée par les Vaishnavas. Un jour, il y a des cigognes qui sont passées dans le ciel et un pigeon ou un corbeau, je ne sais plus quelle sorte d'oiseau, a désiré les suivre. Mais un pigeon ne peut pas voler pendant très longtemps, alors que les hérons peuvent voler pendant une période beaucoup plus longue. Ils ont des ailes beaucoup plus grandes, ils ont cette faculté de pouvoir voler beaucoup plus longtemps. Et le pigeon, il a commencé à les suivre. Et au bout d'un certain temps, il a été fatigué. Et les hérons, ils ont simplement, ils l'ont pris et ils l'ont ramené sur la terre. Ils lui ont expliqué, tu ne peux pas nous suivre, tu n'as pas la même capacité que nous à nous suivre. Mais nous, quand signe, c'était des signes, signe et corbeau. Le héron n'est pas un héron, mais un signe, et le pigeon n'est pas un pigeon, mais un corbeau. Donc finalement, c'est mieux pour la suite que je voulais donner ce point à Vaishnav. Expliquer. Quand on rentre en contact avec des purs Vaishnavas, avec des purs dévots, on se sent naturellement comme un corbeau. Bien qu'on a envie de le suivre, pour le moment, on a encore des désirs, on a encore des attachements, on est encore dans une illusion de croire qu'on est une femme, qu'on est un homme. Mais le désir de les suivre est là, comme le corbeau a eu ce désir de vouloir suivre les signes. De la même manière, nous-mêmes, nous pouvons aspirer à suivre dans les traces de ces purs dévots, mais imiter, ce n'est pas conseillé. Les Vaishnavas nous expliquent, nous ne pouvons pas imiter. Quand l'amour n'est pas dans notre cœur, nous pouvons simplement suivre, mais on ne peut pas prétendre ce que l'on n'est pas. Un corbeau n'est pas un signe, un corbeau est un corbeau. La différence, c'est que nous-mêmes, nous pouvons devenir un signe. Chez Bhakti Chandanya Goswami Maharaj, il expliquait, il faut avoir foi dans Nityananda, il faut avoir foi dans nos maîtres spirituels. Peu importe la naissance qu'on a eue, peu importe la condition dans laquelle on se trouve, bien qu'on souffre terriblement, bien qu'on a des douleurs profondes à l'intérieur de notre cœur, graduellement, ce processus est tellement miséricordieux que, par la miséricorde de Nityananda, Nityananda s'est expliqué, il ne regarde pas la qualification, il est simplement empli de cette miséricorde de transmettre le message de Gauranga, Mahaprabhu. Et ce divertissement qui est expliqué dans la vie de Mahaprabhu, les écritures saintes, de Jagai et Madai. Jagai et Madai, des personnages extrêmement violents, extrêmement vulgaires, toujours intoxiqués d'alcool et de stupéfiants, et envieux des Vaishnavas. Ils voulaient arrêter le Sankirtan. Mais quand Nityananda est arrivé avec tous ses associés, il a simplement donner sa miséricorde, même à des personnalités comme Jagai et Madai. Nous-mêmes, personnellement, je n'ai pas fait toutes ces choses que Jagai et Madai ont fait, mais pourtant je n'ai toujours pas développé l'amour de Dieu, parce qu'il y a encore des choses indésirables dans mon cœur, il y a encore des choses
qui font que je n'ai pas encore goûté à cet amour. J'aspire à une seule chose, à être proche d'un signe, à être proche d'un pur dévot. Aujourd'hui, j'avais envie d'entendre parler un signe. J'avais envie d'entendre parler un pur dévot. Mais quand un pur dévot nous demande de faire un service, Cher Bodhayan Maharaj, il a expliqué une fois à un Vaishnav, il lui a dit qu'on ne peut pas refuser le service que nous donne un Vaishnav aîné à un être spirituel. Après, évidemment, il y a temps, lieu et circonstances. Et ici, c'est expliqué les différents stades de la dévotion. Shraddha, la foi, Sadhu Sangha, l'association avec les saints, Bhajana Kriya, le fait de prendre refuge dans un maître spirituel authentique et d'accomplir l'adoration du Seigneur sous sa direction. Et après, ce sont des stades bien plus élevés. Anartha Nivritti, la purification des choses indésirables. Nishtha, la fixité dans le service de dévotion. Ruchi, le développement du goût pour la vie spirituelle. Ashakti, l'attachement au Seigneur. Bhav, les prémices de l'amour de Dieu, Prem, l'atteinte de l'amour de Dieu. D'abord, il doit y avoir la foi, il doit y avoir ce désir de comprendre qui est le Seigneur, qui nous sommes, quelle est notre relation avec lui. On doit désirer intensément comprendre qui nous sommes et développer de l'amour, développer de l'attachement pour les instructions du maître spirituel, développer l'attachement pour le Saint-Nom, développer l'attachement pour les déités. On doit prier, on doit implorer la miséricorde des déités, leur implorer, s'il vous plaît, quand viendra le jour où je ne verrai pas simplement du bois et du bronze, où je vous verrai directement, je verrai que le Seigneur directement, j'aurai la vision, j'aurai la qualification pour vous voir tel que vous êtes, et je vous adorerai d'une telle manière que je ressentirai de l'amour pour vous. J'aurai une telle dévotion. De cette manière-là, je ferai plaisir à mon maître spirituel, parce que le maître spirituel, il veut qu'une chose, que l'on progresse dans notre vie spirituelle. Il veut qu'on devienne des purs dévots. Il veut pas qu'on reste dans telle ou telle situation. Mais quand on a le but, par la grâce des Vaishnavas, il y a cet exemple qui est donné à travers le phare. Sridhar Maharaj, il explique qu'il y a un phare. Et quand on a cet objectif, quand on a ce but d'atteindre ce phare, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on l'atteigne. Les Vaishnavas nous expliquent de faire attention à ne pas s'égarer dans d'innombrables chemins qui sont obscurs et qui peuvent nous prendre plus de temps. Il nous explique dans cette vie même, atteignez la perfection. C'est pour ça que les paroles des Vaishnavas, les paroles des sadhus sont directes, véridiques, droites au but. On l'accepte ou on l'accepte pas. Le Vaishnava, il fait son service. Je lisais une classe de Sri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il expliquait. Il expliquait à la fin de sa classe, il disait, voilà, je vous ai transmis cette connaissance, maintenant, à vous de prendre un petit peu plus, beaucoup, énormément, ou pas du tout. Si vous ne voulez pas, je repartirai, j'irai à New York, j'irai à tel pays, j'irai en France, à Paris, j'irai en Hollande, transmettre ce message. Et si vous voulez le prendre, prenez-le pleinement, tel qu'il est. Une personne réalisée, un sadhu, n'a rien besoin. Il sert directement Shri Shri Radha et Krishna. Comme l'explique ce verset, une personne
qui a atteint un certain niveau, il est continuellement empli de cet amour absolu. Et il fait que transmettre ce qu'il a dans son cœur pour le bénéfice des êtres. Chez l'Abdayan Maharaj, il expliquait, la plus grande charité qu'on peut faire, c'est de transmettre justement ce savoir. Les sadhus sont d'une charité incommensurable, parce qu'ils nous permettent de sortir d'une situation terrible. Si on regarde notre situation, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je me posais la question, je me demandais, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Quelle va être ma situation? Quelle va être la grandeur de ma maison? Qui va être mon épouse? Combien je vais avoir d'enfants? Je calculais, je faisais des plans, je me disais tel nombre d'enfants, mon épouse, je veux qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça, ma maison, je veux qu'elle soit grande comme ça, je vais avoir telle voiture, tel travail, etc., etc., etc. On est conditionné par nos désirs, par le mental, mais tout ça, évidemment, n'est pas notre but, parce que quand on rentre en contact avec les sadhus, on comprend que tous ces désirs-là qu'on a ou qu'on a pu avoir sont temporaires, ne sont pas le but d'une existence, ne sont pas le but d'un être humain. Chabdayan Maharaj, il explique, le but d'un être humain est de comprendre sa véritable identité. Sinon, c'est pas véritablement un être humain. Notre but n'est pas de devenir, quelle que soit la position qu'on a dans ce monde, de devenir une personnalité, devenir. C'est comme, par exemple, un exemple qui est très, très bien. Les acteurs, quand on regarde les films au cinéma, un acteur, vous voyez jouer par exemple le rôle d'un médecin. Bien qu'il ne soit pas médecin, on a l'impression qu'il connaît parfaitement ce qu'il dit, ce qu'il fait, mais il est simplement dans ce rôle d'acteur. Ou quand on voit un homme et une femme, ou un guerrier qui est avec une épée en train d'attaquer une autre armée, etc., tellement de situations sont données dans les films, mais les personnes, ils sont simplement en train de jouer un rôle. Quand donc viendra ce jour où j'arrêterai de jouer un rôle et je retrouverai ma véritable identité? Tel est l'enseignement de Krishna, des sadhus. Savé pumshan paro dharmo yato bhakti adokshade haituki aplatiata yayatma suprashidati. L'occupation suprême pour l'âme est celle qui le conduit à servir l'absolu Seigneur avec amour et dévotion. Et quant à ce service de dévotion, il doit, pour combler l'âme se faire ininterrompue et immotivée. Immotivée. Simplement pour le plaisir du Seigneur, quand on aura cette attitude dans le cœur de faire les choses simplement pour son plaisir, il expliquait un divertissement qui est expliqué dans les textes sacrés. Un jour, Kamsa, le roi de Mathura, extrêmement puissant, évidemment, comme je suis une âme conditionnée, je n'ai peu de qualifications, peu de qualités. Si j'oublie des détails, veuillez me pardonner.
Je vais faire de mon mieux pour expliquer et juste répéter ce que j'ai entendu. Mais quand on a peu de qualifications, on peut oublier certains détails. Chabri Admarage, il explique, il faut garder l'essence. Kamsha, roi de Mathura, toujours, comme c'est expliqué, Kamsha, il était toujours absorbé dans Krishna, mais dans le fait de vouloir le tuer. Et un jour, il a entendu parler d'une merveilleuse femme, la personne d'Ashrimati Radharani. Et il a eu ce désir de vouloir la kidnapper et de vouloir la prendre pour épouse, pour reine. Il s'est dit, oh, si je veux avoir cette belle femme, Radharani, Gopi. Et Kamsha a trouvé une excuse pour aller faire son plan. Il a dit, je vais aller visiter tous les endroits que j'ai conquéris. Et avec son armée, il est parti. Arrivé à un moment donné, il leur a dit d'attendre ici. Il est simplement parti seul. Et il est arrivé au bord d'un Kun, Kishori Kun. Ce Kun a ce pouvoir transcendantal, spirituel, de combler tous les désirs. Et donc, quand il s'est approché du Kun, pour boire, quand il s'est relevé, il a vu une gopi dans le reflet de l'eau. Il a pris peur. Et quand il s'est aperçu que son corps avait complètement changé et qu'il était devenu une gopi, il a été surpris. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et à ce moment-là, Lalita Sakhi et les gopis sont arrivés. Ils lui ont expliqué, oh, déesse, qu'est-ce que tu fais ici? Nous ne t'avons jamais vu. Que nous vaut ta présence? Et Kamsha, sous la forme d'une gopi, a dit, je suis Kamsha, le roi de Mathura. Et les Lalita Sakhi, les gopis ont rigolé en se moquant de lui. Et elles ont compris qu'il était venu avec un ici, Kishore Kun. Et Tasaki lui a dit, ah, tu as dû avoir un désir étrange pour avoir eu ce corps de gopi. Et Kamsha s'est jeté aux pieds d'Aitasaki et a imploré, s'il te plaît, aide-moi, je veux retrouver mon corps de guerrier, de roi. Je suis Kamsha. Et Aitasaki a dit, je connais une personne qui pourra t'aider. En fait, à ce moment-là, Srimati Radharani est apparu dans le mental de Lalita Sakhi. Il lui a demandé de ramener cet Asura, Kamsha. Et donc, Kamsha est arrivé au palais de Srimati Radharani. Ils lui ont fait porter, parce que les gopis avec Lalita Sakhi étaient venus chercher de l'eau pour baigner Srimati Radharani. L'eau du Kishori Kun. Donc c'est Kamsha qui a apporté cette eau. Il s'est retrouvé au service des gopis. Et quand il arrivait au palais, il était complètement émerveillé par la beauté et l'opulence du palais de Srimati Radharani. Et donc, Srimati Radharani, quand elle a vu Kamsha, elle a reconnu, elle a dit, ah, je sais qui tu es Kamsha. C'est toi qui empêche le divertissement de mon bien-aimé Krishna. Tu l'embêtes. Tu lui envoies des démons, des asuras.
Et comme ça, il était déterminé à retrouver sa condition de roi et de guerrier. Srimati Radharani a expliqué, a parlé à Itasaki. Bien que tous les demi-dieux, tous les êtres d'innombrables planètes prient pour obtenir cette forme de gopi, Kamsa l'a obtenue et il ne la désire pas. Donc, Srimati Radharani lui a expliqué à une seule condition: je veux bien t'aider à retrouver ta forme de guerrier si tu arrêtes d'embêter mon Krishna en lui envoyant des asuras. Il a dit: oui, bien sûr, je veux retrouver ma forme de guerrier. De cette manière-là, il est reparti. Il a bu l'eau du Kishurikun et il a retrouvé sa forme de guerrier. Donc, dans cette conférence, il y a eu un échange. Shabakti Chandanyati Goswami Maharaj a posé cette question à Bhakti Nandan Maharaj. Comment se fait-il qu'on, je ne me rappelle plus exactement la question, mais qu'on est comme Kamsa, on est des êtres tellement démoniaques, et puis on aspire à une telle position. Comment se fait-il qu'on ne l'obtient pas? Et après, dans cet échange, chez Bhakti Nandan Maharaj a expliqué différents points philosophiques qu'effectivement, il expliquait, c'est seulement par l'association avec des saints qu'on peut développer ce désir d'avoir un corps de gopi ou d'un pâtre. Seulement par leur association. Kamsa, il a approché. Il a expliqué Kamsa, il a approché avec une mauvaise intention. Radharani. La pire, il explique, c'est la pire de toutes les demandes de désirer Radharani de cette manière-là. Donc nous-mêmes, quand on est en association avec les sadhus, avec les saints, il expliquait que on ne doit pas simplement être assis passivement à écouter ou absorbé dans autre chose. Il expliquait par exemple cet exemple d'un enfant qui va à l'école. Bien qu'il reçoive l'éducation des professeurs, etc. Si l'enfant, il vient à l'école, il peut être habillé parfaitement, comme moi aujourd'hui, habillé en dhoti, etc. Mais l'enfant, il va à l'école simplement pour bavarder et pour jouer. Donc il va obtenir un petit bénéfice de cette association avec le professeur. De la même manière, si on n'a pas une bonne approche, on n'a pas une bonne attitude envers les Vaishnavas, envers le sadhu, envers le maître spirituel, on obtiendra un certain bénéfice. Shabakti Nandan Maharaj, il explique évidemment, l'association avec les sadhus, il y a un bénéfice. Il ne sera pas le même que si on ouvre grand nos oreilles, on ouvre grand notre cœur et on écoute pour ensuite appliquer dans notre vie les enseignements. Pas simplement écouter. Comme je me rappelle, Shabakti Chandanyati Goswami Maharaj, j'ai donné cet exemple. Un éléphant, par exemple. Un dimanche, je me rappelle, il expliquait ça. Un éléphant, il va se baigner, il va se laver, il va sortir de l'eau. Tout de suite après, il va se rouler dans la poussière, dans la boue. Il va de nouveau tout sale. De la même manière, si nous désirons de plus en plus intensément écouter les sadhus, un jour, l'effet viendra que quand on sera dans n'importe quelle situation, on désirera rester propre, rester empli de connaissances
et désireux de suivre ce que le maître spirituel nous a demandé de faire pour son plaisir, pour progresser. Et c'est quelque chose de graduel. Et comme l'explique là justement, ça vient par Shraddha, la foi, Sadhu Sangha, etc., etc. Toutes les phases de l'être, différents niveaux spirituels qu'il faut bien comprendre et humblement suivre. Le processus est authentique, le processus est pur, simplement, il y a des personnes qui le suivent à 100%, d'autres 90%, d'autres 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, etc. Selon la qualification, selon le désir, selon l'association, selon nos vies passées, tout ça rentre en compte et fait que au jour d'aujourd'hui, on est un petit peu inspiré, pas trop, empli d'extase, un petit peu d'extase, beaucoup de goût pour chanter, peu de goût pour chanter, etc., etc. Mais ça n'enlève pas l'authenticité du processus, l'authenticité des enseignements de Mahaprabhu. L'enseignement est pur et très élevé. Mais accessible. Parce que sinon, si on n'avait pas eu d'exemple, si on n'avait pas eu cette grâce de voir les sadhus, et comme on a eu cette grâce de pouvoir voir et de pouvoir être touché par la vie des Vaishnavas, alors on a une aspiration, on a un désir dans notre cœur de vouloir les suivre. C'est par ce désir-là que graduellement on progressera et que graduellement on atteindra notre but pour leur plaisir. Go play, madame, des animaux. Thank you.